Montréal en commun, c'est une communauté d'innovation qui travaille sur 13 projets pour repenser la ville à l'échelle humaine, du quartier et de la métropole. Bonjour, moi je m'appelle Magali, je travaille pour l'organisme Solon sur le projet Mobilité de quartier. Mobilité de quartier, c'est un projet pour repenser ensemble nos façons de se déplacer, mais aussi les façons dont on transporte les marchandises dans la ville. Locomotion.app, c'est un site web que vous pouvez consulter à partir d'un navigateur. Vous avez accès à un espace qui facilite vos échanges, vos partages de remorques à vélo, de vélo, d'auto, dans votre voisinage. En ce moment, c'est dans les quartiers Petite Patrie et Huntsic. Puis, tranquillement, bien, on essaie d'adapter le projet à d'autres territoires. Locomotion.app, en ce moment, est en version bêta. Donc ça veut dire que les personnes qui l'utilisent peuvent rentrer un bug, signaler un bug. Ils peuvent aussi contribuer au code. Puis, tout le monde est amené à faire évoluer le projet. C'est le temps d'agir ensemble pour changer nos habitudes, tisser des liens, se solidariser, puis faire un pas vers la transition socio-écologique ensemble dans nos quartiers. On est rendu à 800 voisins et voisines qui se partagent des véhicules. On parle d'une cinquantaine, même plus d'une cinquantaine de véhicules en ce moment. Véhicules variés, auto, vélo, remorque à vélo. Dans 5 ans, pour mobilité de quartier, on vise plus d'auto et de vélos partagés, plus de comités de voisinage, donc des quartiers, des voisinages conviviaux écologiques.